Donc le soldat s'est fait passer pour un client pour se faire masser plus plus. Voilà. Miss Lolo 2023. Voilà la nouvelle édition de Miss Lolo qui se tient en Côte d'Ivoire, qui fait sa ascension sur la toile. Voilà. Une édition qui met en avant, ou bien une compétition, une fête, une célébration qui met en avant quoi? La beauté féminine. De quel genre de beauté féminine? Voilà. Des femmes à l'allure rondelle, quoi. Différentes de celles qu'on voit chaque année à la télévision, en passant des heures à regarder quoi? Des filles vraiment très minces, fines, qu'on regarde. Et aujourd'hui, cette fois-ci, quoi, le concours Miss Lolo, quoi, qui met en avant maintenant des jeunes femmes présentant des poitrines fortes. Voilà, des poitrines fortes et volumineuses. C'est pas seulement fortes et volumineuses. Et ce concours de Miss Lolo, quoi, connaît un succès grandissant sur les réseaux sociaux et surtout en Côte d'Ivoire, puisque les images des candidats ont été balancées sur la toile pour cette nouvelle édition. Les gars, je vous dis pas, c'est justement gardé partout, les presses partout. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler, quoi, de cette édition de Miss Lolo 2023 et voilà de quelques actus, puisqu'il y a un actuel qui se passe voilà au-dessus là-bas. On va parler, puisqu'il s'agit d'un groupe de jeunes femmes qui se disent quoi, des masseurs plus plus, et qui massent des gens. Voilà, mais ce sont pas des masseurs agréés pour masser les gens, ce sont des PR, voilà, des vendeuses de piments. Voilà, des vendeuses de piments qui se passent pour voilà des masseurs professionnels et font des choses bizarres. Ça. Revenons maintenant à nos moutons, on va parler quoi de Miss Lolo, et vous voyez les images qui sont en train de passer. Voilà, on dit quoi, le concours continue de faire sensation en révélant quoi, en révélant des jeunes femmes pleines d'assurance et fières de leur corps. Voilà, fières de leur corps. Cette nouvelle édition suscite une vive engouement sur les réseaux sociaux. Des formes généreuses Miss Lolo 2023. Ce concours, c'est quoi? C'est une initiative quoi, motivatrice, qui propose une alternative au concours traditionnel de beauté en mettant à lumière quoi des femmes avec des formes généreuses. Alors que les autres concours mettent souvent en valeur des candidats toi longiligne, voilà longiligne. Bon, Miss Lolo casse ses codes quoi en célébrant la diversité des morphologies féminines, puisqu'il n'y a pas seulement des meufs skinny, voilà, il y a aussi des meufs à poutou. Miss Lolo 2023 quoi veut mettre quoi en avant quoi, c'est voilà ces femmes avec des big boobs, look that, avec des big boobs, big ass. Et puis oui, les nouvelles images des candidats de Miss Lolo 2023 font sensation sur la toile. 2022, on a vu, on dit, c'est quoi ça, mais 2023, si ça fait sensation sur la toile quoi, des jeunes femmes épanouies et fières de leur attribut à quoi féminin qui s'affirme, voilà, et leur silhouette. Voilà, magnifique, tout qui se dandine sur la toile, comme vous la voyez, est un événement qu'on attend tous. Ce concours, quoi, casse tout et suscite, quoi, des critiques de par ici sur Internet et permet, quoi, de mettre en avant des critiques des beautés alternatives, puisque, voilà, ce n'est pas tout le monde qui a la même vision sur les skinny et les apôtres, c'est comme ça. Donc, ce concours, quoi, permet d'avoir des critiques de tout chacun des gens sur, voilà, la morphologie ici, les meufs skinny, les meufs à poutou, les meufs avec des buts de bite devant et autres. Donc il y a plusieurs discussions sur la toile. Donc on dit quoi, les réactions positives et les buzz en tout quoi, et cet événement et les concours et les candidats de Miss Lolo 2023 et témoignent quoi de l'évolution des standards de beauté, et les femmes aux formes voilà généreuses sont de plus en plus appréciées et leur confiance en elles est aboutie comme ça. Voilà. Donc les gars, on va aller à la deuxième partie de cette vidéo. À la deuxième partie, comme vous le savez, j'ai parlé quoi de vendeuses de piments qui se passent pour voilà des masseuses professionnelles. Comment la gendarmerie a réussi à faire tomber quoi un réseau de masseuses plus à Westfort. Et donc il s'agit voilà d'une groupe de meufs, voilà, et soyez même devant, et même parmi eux il y a eu une qui est mariée. On dit quoi, la gendarmerie de la foi a démantelé un réseau de prostituées qui se fait passer quoi pour des masseuses. À leur tête voilà on a
Madame A qui a employé, qui employait quoi, qui employait quatre filles dans un appartement situé où, situé à Ouest Foire, voilà. Et ces personnes ont été jugées quoi, ont été jugées la semaine passée devant le tribunal des flagrants, voilà, délits de Dakar, puisque cela se passe quoi, où, au Sénégal. Et ces derniers ont été condamnés à 3 mois avec sursis. On attrape quoi, des masseuses plus et on les condamne pour 3 mois avec sursis. D'après l'observateur qui donne l'information, voilà, madame a utilisé les réseaux sociaux, voilà, la dame qui a organisé cela utilise quoi, les réseaux sociaux pour faire la promotion de son business. Elle publie quoi, des photos des filles au forum, voilà, généreuse, puisque on a parlé des Miss Lolo, donc j'ai décidé de combiner avec ça là, puisque les gens qui aiment les Lolo, les Big Lolo, sont souvent, c'est eux qui tombent souvent dans ces panneaux là. Et on dit que cette dame qui, que je, moi j'appelle ici A, qui partage quoi, des photos des filles au forum voyez généreuse, ainsi que les numéros, ainsi que les numéros à contacter, voilà, sur les réseaux sociaux. Après avoir reçu un signalement quoi, la brigade de la foire quoi a mis un de ces éléments sur le coup. Oh! Donc un policier s'est préparé pour aller faire un massage plus, voilà, pour avoir le plaisir, pour pouvoir faire son travail au mieux. Invitez-moi aussi pour faire ce genre de travail. Donc on dit quoi, ce dernier s'est fait passer pour un client. Donc le soldat s'est fait passer pour un client pour se faire masser plus, voilà. Il est reçu par madame quoi, madame A, puisque la dame qui a organisé cela, et ce quoi, c'est le soldat qui a infiltré l'organisation, c'est ce soldat qui a reçu quoi, ce massage plus. Cette dame lui a vraiment, elle a réclamé combien, 40 000 francs pour un massage body, voilà ce que vous voyez sur body. Et on dit quoi, le marché conclut, voilà, marché conclut. Le gendarme qui endosse son rôle pendant un moment, voilà, il se laisse aller, body, massage bien fait pour lui, pour faire son travail, il prend du plaisir dans son travail, chill. On dit quoi encore, le gendarme endosse quoi, son travail pendant un moment, histoire de prendre quoi, la mise en cause de flagrant délit, et celle-ci tombe quoi, dans les panneaux quoi, les dames aussi se sont allées comme ça, ils se sont pas méfiées de la personne, ils se sont allées comme ça, et on les a fait quoi, et une perquisition de l'appartement a permis aux enquêteurs de saisir des paquets de préservatifs, des bouteilles d'huile et divers objets, des sorts et autres. Quoi, à la barre, quoi, 5 présumés ont été. Les 5 présumés, voilà, madame ABCD, voilà, ABCDE, ont nié leur fait, voilà, la pluie qui en est tombée, si vous écoutez, quoi, des quelques gouttes, voilà. Et cette dame ont nié cela, qu'elle, voilà, et il y a un dedans, voilà, madame A qui affirma qu'elle est masseuse professionnelle et a quoi donné un diplôme que je suis masseuse professionnelle, voilà, c'est pas massage bizarre que je fais massage professionnel, et a même brandi quoi, un diplôme, et la mariée jugeait qu'elle était femme de ménage, et disons que voilà, il y avait une femme qui était femme mariée au foyer qui faisait faire des massages body plus. Bon, au tribunal dit que elle était juste pour faire quoi, le ménage parmi eux là-bas. C'est une dinguerie. Et quoi, les autres disent que voilà, elle venait d'être recrutée. Voilà, toi tu dis que tu es femme et au foyer tu viens juste pour faire le ménage là-bas, et les autres disent que non, on vient juste de te recruter dans notre métier là. Que si tu es dedans, tu es nouvelle, tu vois, si tu fais du body. Donc les gars, c'est ça pour l'actualité d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. On a parlé quoi de Miss Lolo, des formes généreuses, voilà, des femmes avec des formes généreuses, et puis on s'est attaqué à un trafic de femmes généreuses qui montrent des photos des femmes généreuses pour attirer les hommes qui aiment les femmes généreuses pour les ensuite faire des massages body qui va, disons, à la compte de certaines lois, voilà, puisque ce sont des vendeurs de piments et puis quoi, tout comme ça. J'espère que vous aimez cette vidéo. Voilà, j'ai pas trop quoi, un outro, la fin de cette vidéo, super cool quoi. Donc, et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, il faut laisser ton like. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, puisque la pluie aussi est en train de nous mélancer ici. Donc, les gars, tous, je vous aime.